Shalom, la deuxième vidéo. Je crois que ceci, je vais partager les premiers routes là-dedans. Le témoignage que j'ai à faire, un vieux m'a appelé dans un quartier ici qu'on appelle la Papa, au Bénin ici. Le vieux est paralysé, il ne peut plus s'asseoir sur son lit. Quand il s'assoit, mais pourtant, mes frères, certaines personnes, mes respects à vous, elles sont venues à plein de choses, des pailles noires, des choses sous l'oreiller et tout autour. Or, sur le visage de ce monsieur, il y avait l'esprit de tension qui est en train de la visualiser. Le jour qu'on était là-bas, je les ai dit qu'il y a tension, ils ne croient pas. Le Seigneur a dit tout ce qu'ils ont mis là n'a qu'à enlever. Ce vieux ne peut pas s'asseoir. Mais en faisant 2-3 semaines, il s'est assis. Ce vieux ne parle pas comme ça. Il parle, sa voix part. Mais il ne commence pas à parler. Ce vieux n'arrive pas à poser les pieds sur le sol pour faire 2 pas. Il a commencé par le faire. C'est juste pour vous dire, Dieu nous appelle à la vraie spiritualité. Nos pères dans ce temps-ci, eux, ils ont adoré Dieu par leur manière, en faisant certaines statuettes pour donner le nom. Parce que c'est la manière dont ils ont connu Dieu. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas chercher à quitter cette racine. Mais beaucoup vont quitter. Mais lorsque nous avons quitté, nous ne pouvons pas diaboliser ces personnes-là pour dire qu'ils sont des diables. C'est ce que je dis. Mais lorsque vous avez quitté, vous connaissez maintenant la réelle vérité, pratiquez maintenant la spiritualité pure sans ces choses-là. Tout ce qui se confie à Dieu aura toujours des nouvelles bénies de Dieu. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte de qui vous êtes. Le mois août qui vient, chaque année, ce mois, c'était le mois dangereux, le mois dense de tous les mois. De ce mois qui termine maintenant et le 1er août. C'était moi ne pas négliger. Qu'est-ce que vous allez faire? Père Jésus a fait le bénévole. Vous allez chercher 41 citrons. Commencez par la chercher maintenant. Et le bain doit être fait la nuit du 1er août ou la nuit du 1er août ou le matin du bonheur du 1er août. 41 citrons, vous allez les presser. Regardez le jeu là avec vous. Et le jour même, si vous avez une famille toute entière, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que c'est la famille entière qui va se toucher? D'accord? Prenez 10 litres de l'eau. Prenez 10 litres de l'eau et renversez à la veille cette eau dans une bassine. Dans un bassin. Et écrivez le nom de tout ce dont vous voulez protéger. Mettez ça au beau milieu de cette eau-là. Et prenez du vin rouge. Puis vous prenez un verre, du vin rouge. Lorsque vous avez pris le vin rouge, vous allez regarder comme ça vous a dit. Par la force de Dieu et de tous les êtres spirituels de la nature. Esprit du vin. Je te commande ici et maintenant, par le pouvoir de celui qui a utilisé l'eau et t'a fait appeler. Je veux que tu sois le vin. En mélangeant avec cette eau, réponds à tous mes voeux durant ce mois-ci, afin que la maladie, l'accident, la mort, le choc, la malédiction ne soient pas pour moi, ni pour mes enfants, ni pour
qui que ce soit et quoi que ce soit. Je prie ainsi dans le nom sacré de Je suis. Ehe, haché, ehe. Amen. Quand tu as fini de parler comme ça, tu verses. Tu verses ça sur l'eau, dans la bassine. Maintenant, tu vas prendre un peu de vinaigre blanc. Vinaigre blanc, un verre. Et tu dis, l'esprit de vinaigre. L'esprit de vinaigre, trois fois. L'esprit de vinaigre. L'esprit de vinaigre. Jésus-Christ a dit sur la croix, après t'avoir pris, il dit, tout est accompli. Ainsi, moi, je veux que ce soit moi-ci, tant, afin que cette parole de Dieu soit manifestée, tout est accompli. Afin que la mort, le chômage, tout disparaisse. Et les gens que je dois rencontrer dans ce mois pour prospérer, que tous ces gens-là, que toutes ces personnes viennent sur ma voie. Amen. Quand tu as fini, tu fais ça sur la composition. Ça fait de l'eau. Plus l'eau, ça fait toi. Maintenant, tu vas prendre du sucre. C'est des choses qui sont faciles. Vous avez trouvé ça dans tous les pays. Tu vas prendre du sucre. Et tu vas prendre 27 sucres. Et tu mets ça dans ta main. Pour dire ainsi, la joie que je demande. Ainsi, la joie que je demande. Ainsi, le bonheur que je demande. Ainsi, la paix que je demande. Seigneur, je veux que tu bénisses cette eau. Tant, afin que cela puisse me produire. Bref. Et tu laisses ça dessus. Mais, bien avant de faire toutes ces choses, n'oublie pas, je dis que le nom doit rester au fond de l'eau. Même si c'est arrivé en haut, c'est rien. Après avoir fait ça maintenant, tu vas réciter le psaume 35 que tu connais trois fois sur cette eau. Et tu laisses reposer au petit matin, ou soit tu laisses reposer au soir, le soir de Jésus que tu vas te toucher. Et tu rentres dans la douche. Tu vas te toucher sans savon, ni éponge. Si tes enfants vont utiliser, il faut que tu donnes un peu de cette eau à tous les enfants. Et si la personne n'est pas à côté de vous, prenez une de ses habits et mettez cette eau-là. 1, 2, 3, jusqu'à 7 sur l'habit. Ou bien quelque chose que la personne, même si sur sa photo. Et vous allez dire tout simplement, la protection que j'ai obtenue, je te l'ai donnée aussi, transférée aussi, c'est fini. Ce bain doit être fait le 1er août, soit la veille du 1er août. Ce bain vous aidera à pouvoir s'en sortir beaucoup des malaises, des maladies qui vont venir durant ce mois. Pratiquez et vous aurez encore des témoignages plus puissants. Et en même temps, cela va vous purifier. Et certaines personnes, vous aurez la chance que les voix que vous n'avez même pas imaginées va s'ouvrir devant vous. Ça, c'est clair et net. Utilisez et approuvez. Tous ceux qui désirent commencer par faire leurs offrandes de dons dont j'ai dit, c'est à partir du 2 août. Et tous ceux qui veulent le faire, et vous voyez que c'est possible d'envoyer par portable MTN ou YouTube, MTN ou Move, il n'y a pas de souci, on va vous les donner. Point. Secondo, lorsque vous avez appelé, vous dites, c'est pour la possession de la Vierge Marie. C'est pour la possession de la Vierge Marie. En tout cas, c'est juste au 15 août quand même. J'ai commencé par vous donner en mettant les détails maintenant. Et si vous voulez, envoyez pas à d'autres sociétés, on vous envoie des adresses qui vont vous faciliter la tâche. Vous voyez. Donc, faites ce que je viens de vous donner. En même temps, si vous avez des sorts, des malédictions, au nom de Dieu, ça va être enlevé. Et j'ai exigé d'abord à toute personne qui prend ces pratiques, faites tout possible pour faire ces actions de possession envers la Vierge Marie, comme je viens de vous dire. Faites-le maintenant ou après, il n'y a pas de souci. Mais faites tout possible pour ne pas rater ce père. Et à mes chers mamans, si vous, au moment arrivé que vous êtes en menstruie, cela ne vous dérange pas. Cela ne gêne pas. Fais ça. Il ne faut pas rater quand même. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs. Régis Raphaël Benoît. Shalom.